Jean-Luc! Jean-Luc! Jean-Luc Godard! Jean-Luc, tu m'ouvres? C'est bon. Tu vas pas me laisser sous la flotte, quand même. Attends 5 minutes, bordel! Pourquoi tu gueules? C'est le moment de le faire, le film. Je peux partir à Tel Aviv dans 3 jours. Ah, le voilà. On fout-moi un peu la paix, Marcel, maintenant. Comment? Mais pourquoi? Va à Tel Aviv, si tu veux, et fous-moi la paix. Bon, enfin... חמש עשרה שנים יישובי דרום הארץ ועוטף עזה מופקרים לירי של קסאמים, לירי של טילים. יש כל כך הרבה משפחות שכולות, משפחות עם כאב, עם צער, עם עצב. עד מתי? אני, שאני אדם בעל אוטיזם, גם מרגיש מופקר. ובתור אדם שמרגיש מופקר בגלל האוטיזם שלי, אני מזדהה עם המופקרים שהם מופקרים על ירי ופגזים ועם המשפחות השכולות. Fichu pays en ce moment. Et puis peut-être dès le début, ça c'est ton avis, pas le mien. La défaite de la pensée. Tiens, on y est dans la défaite de la pensée. Dieu sait qu'on y est dans la défaite de la pensée. C'est Alain Finkielkraut qui l'a écrit. Revenons aux choses sérieuses. On parle des trailers. C'est ton idée, la bonne annonce. Qu'est-ce que Herzl, Weizmann, Ben-Gourion sont venus chercher dans ce désert? Tu peux pas dire dans un trailer que c'était un désert ici. Ça, c'est de la mythologie sioniste, Marcel. Jérusalem, dans ce film-là, devrait remplacer Clermont-Ferrand dans Le Chagrin et la Pitié. Moi, je suis né en Algérie. J'ai vécu la guerre d'Algérie. Les Arabes, ils gagnent les guerres comment? Médiatiquement ou par le nombre? Là, ils vont gagner la guerre comment? Je m'excuse. Avec le ventre des femmes françaises. Aujourd'hui, monsieur, toutes les familles françaises, ils ont un Arabe chez eux. Bien. Allez, voilà, bye, bye bye, merci. Merci, au revoir, monsieur. Dans un ganz fürchterlicher Rassiste, un Französisch. Rassist, Faschist, alles was du willst. Der hat uns 5 Minuten lang seinen Brei verzapft. Voilà, bye bye. Je vais te dire pourquoi Max Ophüls n'était pas sioniste. Pas vraiment anti-sioniste non plus, mais enfin... pas du tout sioniste. Parce qu'il trouvait que le destin des Juifs au XXe siècle était d'être des cosmopolites, antinationalistes. Et toi, Marcel, tu es sioniste? Pas du tout. Comme si souvent, je suis entièrement d'accord avec mon papa. Parle-moi de ton père. Ah, mon père était architecte et oui. J'ai appris au moment de sa mort seulement qu'il planifiait pas mal de choses dans les territoires occupés, dans les colonies. Oui. Par exemple, là on est sur la route 443 et la synagogue de la colonie qu'on vient de passer a été dessinée par mon père. Mais il ne m'a jamais raconté ça de son vivant. Je l'ai appris par Wikipédia lors de sa mort. Par Wikipédia? Oui. Ah oui. Oui, oui.
ça nous ramène à la Bible, tout ça. Tout nous amène ici à la Bible. Le mur des lamentations juste derrière. Oui. Et viens le filmer, lui, un peu. Quand le président François Hollande, le socialiste de service, quand il dit qu'il ne faut pas importer... Le conflit en France. Le conflit en France. Qu'est-ce que c'est que cette idée d'importer un conflit ? Lorsque ma génération a été mobilisée sur le Vietnam, on n'importait pas le conflit du Vietnam en France. Non, ça ne veut rien dire. Par contre, oui, il y a une importation du conflit en France par le CRIF. Oui. En identifiant la communauté juive de France avec, avec Israël et ce qu'Israël fait. Yeah. Was it such a good idea, Mr. President, to bring Zionism into a country which was basically a desert and surrounded by enemies? I'm sorry, but it's a stupid question. So what? You take 8 million people and you copy-paste them to Normandy? It happened. The classical Israeli strategy in the region in the last 100 and some years was based on the principle of partition. Yes. We have to find alternatives to partition. We have to move into shared society, shared territory, shared sovereignty, shared resources. Okay, without sharing, there is no future for both people. Es hat sich schon so mancher hier den Schädel eingerannt. In unser Haus geht's durch die Tür und nicht durch die Wand. On est maintenant zwischen Tel Aviv und Jérusalem. Il y a des barbelés partout. Et d'un côté, il y avait une prison pour Palestiniens, c'est vraiment un parc grec. Ja, und jetzt sind wir, machen wir, wir drehen dann jetzt gleich einen Rebbe, einen Rabbiner, wahnsinnig weit rechts, glaube ich. Il est de droite, le rabbin qu'on va faire. Hein. Oui, oui. Le colon, le oui, chef oui. des colons, oui, c'est ça. Il faut comprendre la chose suivante. Selon beaucoup d'historiens et de sociologues, sur 1 milliard de 300 millions musulmans, un tiers sont des assassins, deux tiers ne sont pas des assassins. On nous attaque, nous nous défendons, nous nous défendons. On vous attaque et vous défendez. Nous nous défendons. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine disproportion entre les missiles qui partent d'un côté et les missiles qui partent de l'autre côté? La lutte contre le terrorisme n'est pas identique à la lutte contre un autre pays. Pour surmonter un autre pays, il suffit d'en prendre possession. Mais le terrorisme, c'est autre chose. Posez la question au général de Gaulle. Pourquoi les Français, 1 million d'Européens, ont quitté l'Algérie? Posez la question au général Salan à cette époque. Au général Salan. Well, one of our sisters is going to marry an Arab, and it's unacceptable because that way we will lose her and her kids to come out of our people, and we can't let that happen. If she wanted to kill herself, that would be her problem, but she's trying to kill her soul and her children's soul, and that's something that we cannot accept quietly. Tu vois, Marcel, ici, dans les territoires, ouais, les ratios d'eau, par exemple, pour te donner une idée, c'est pour que chaque litre d'eau qu'ont les Palestiniens, les Juifs qui habitent ont 10 litres d'eau. Donc c'est 1 à 10. 1 à 10. L'injustice est partout, pas seulement ici.
ici, c'est notre injustice. Ah, pas la mienne. Moi, j'y suis pour rien. Ah, t'es embarqué au moment qu'on parle ici au nom de tous les Juifs. Bah, t'es embarqué. Oh. Embarqué, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit ici? En fait, il y a quelqu'un qui est recherché et qui habite ici. Ah, voilà. Votre fils, comment est-il devenu un militant? Menadel. لأنه بيت انهدم بالانتفاضة الأولى انحرم التعليم. Est-ce que ça aurait changé quelque chose s'il avait pu continuer son éducation? Son frère a été tué par les... un autre de vos fils. Oui. Il est shahid. Thank you. Shukran, barakallahu fik. Shukran. Voilà, la journée est terminée. Voilà. J'aurais voulu continuer pour aller à Gaza pendant que les missiles tombent. La souffrance, elle est de l'autre côté. Oui. Oui, papa, non, c'est toujours bloqué. Je ne peux pas sortir de l'hôtel, je ne peux pas payer, je ne peux rien faire. De toute façon, j'arrête le film parce qu'il n'est pas financé. On ne va pas, nous, payer l'addition. On n'édite pas à compte d'auteur, merde!